no. You were too slow. Yeah. 346 minutes later. Broads in Atlanta. Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le unboxing sur la Collector Sonic Mania Collector Edition. C'est la première fois que je fais un unboxing parce que évidemment c'est un peu la mode aussi, un peu faire des unboxings. Et donc moi j'ai envie de participer un peu et faire un test pour vous faire plaisir et en même temps que je fasse du contenu un peu sans faire putaclic. Et donc il y avait ça qui m'intéressait, du coup j'ai décidé de le prendre. Voilà. C'était assez bien. Du coup, on va faire en 5 parties cette vidéo. On va parler du jeu, un peu de l'univers. Ensuite, on va parler un peu de l'unboxing. Dans la troisième partie, on va pouvoir parler du jeu, sur les unboxings qu'on aura, les prix, parce qu'il y a plusieurs prix sur ça, et aussi la conclusion. Du coup, c'est parti pour la première partie. Sonic. Ce personnage de Sega a une grande popularité pour tout le monde, comme pour ses jeux, ses dessins animés, ses bandes dessinées et même ses mèmes. Et les fans sont aussi plus tarés que Eggman. Oui, enfin bon, cherchez sur Deviantart le mot Sonic et vous aurez l'enfer des choses horribles qu'ils font sur Sonic. Mais passons aux vrais fans. Les vrais qui aiment les jeux Sonic. Ah, et oui, vous pensez que j'allais parler de la vraie histoire de Sonic? Bah, je voulais pas le faire, car de toute façon, tout le monde connaît Sonic. Non? Oh putain, bon. Alors Sonic est un hérisson bleu et écologique qui sauve des animaux en détruisant les machines du Dr. Homeuf. Ce personnage Sega est devenu la mascotte pour combattre Mario le plombier. Je me fais une petite parenthèse pour vous dire que Nintendo a indiscrètement dit que Mario n'est pas un plombier. Et qu'il fait d'autres métiers. Pour moi, ça reste un plombier. Bon, j'en étais où, moi, déjà? Sonic fait des suites super géniales avec Tails le renard et Knuckles le Knuckles. Puis arrive la 3D. Sonic fait une chute avec ses jeux, mais revient sur les consoles 6ème génération avec un nouveau Sonic. Du coup, Sonic continue son aventure, mais fait quelques chutes de droite à gauche. Mais 2017, parce que je ne vais pas raconter toute l'histoire, bordel de merde, Sonic Team annonce deux jeux Sonic, qui est Sonic Force et Sonic Colère. Ah. Too fast pour comprendre. Donc, Sonic et ses fans sont de type difficile, car il y a deux types de fans, les fans de Sonic classique et les fans de Sonic moderne. Le Sonic classique sont les premiers jeux de Sonic, c'est-à-dire en 2D, comme le Sonic 1, Sonic 2 et Sonic 3, et Sonic & Knuckles. Le Sonic moderne sont les jeux Sonic de la 6ème génération, c'est-à-dire en 3D, comme par exemple Sonic 6ème, Sonic Rider et Sonic... Le Seigneur des Anneaux. Putain de merde, je savais pas qu'ils avaient fait un Sonic comme ça. Ah oui, il y a le Chevalier Noir aussi, il fait chier. Et du coup, pour 2017, il y a un jeu Sonic 2D et un jeu 3D. Et c'est pour ça que les fans aiment l'un et détestent l'autre. Et vous allez me dire, du coup, t'es plutôt quel type de fan? Je suis pas fan de Sonic en global, je suis fan d'autres personnages de jeu. Et je n'ai pas essayé tous les jeux de Sonic au monde. À part bien sûr les quelques premiers, et ce contre... on va pas dire les contrefaçons, mais les copier-coller d'un autre jeu en remplaçant juste un personnage, etc. Et aussi des bootlegs. Donc bon. Donc s'il fallait faire un choix, ça serait les deux. Et plus Sonic classique. 70-30. Et surtout, que pour Sonic Mania, il y avait une collector et le jeu. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir les deux? Et pour le Sonic Force? Bah, pas de collector, mais une précommandation du jeu.
avec des DLC de Persona Sega et de Persona machin truc animé et une manette personnalisée. Donc c'est mieux une collector quand même. Donc c'est pour ça. Alors maintenant c'est parti pour l'unboxing incroyable de Sonic. Du coup on va parler maintenant de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors au niveau du carton, bah, là il est bien. Bon, il y a ça que je sais pas quoi faire. Carton, il est bien. Alors maintenant on va parler de la boîte. Alors comment dire, la boîte elle est quand même sympa pour son style. C'est à peu près comme si tu chopais une édition collector pour une Mega Drive. Alors que là c'est pour l'univers Sonic, donc c'est tout va bien. Franchement très joli. Alors attendez, je vais montrer quand même les autres tontons. Alors là on a tous les trucs, je vais pas vous montrer. Et ensuite là on a à peu près l'explication du genre vous êtes Sonic et vous avez ça joué, vous pouvez jouer Tails, le même, Hitler, voilà plein de personnages vraiment intéressants. On pourra s'amuser. Maintenant on va ouvrir le truc. On l'ouvre. Avec un ongle. Et en plus je l'ai rongé je crois. Maintenant on va l'ouvrir. Bah super. tant qu'ils ont pas fait ça. Alors maintenant, ils ont refait un carton. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est bien, ils m'ont pris un. C'est bien, un carton sur un carton. Non, je sais pas, ah, mais en fait, ce que je viens de capter et que j'ai de la chance, c'est que si vous voulez, il y a le logo Steam là. Donc c'est à dire que je peux mettre ma clé sur Steam, c'est parfait. Donc je suis en de me faire sortir. Bon, bah et puis merde, on va appeler l'autre con là. Benny, tu peux venir, j'ai un problème. Ouais, mais le problème, regarde ce qu'ils ont fait un peu sur lui. Regarde, c'est que tu vois, il y a un carton et ensuite il y a un autre carton, mais casse pas tout. Du coup, tu vois, je vais sauver ça et tu vas prendre le carton, ok? The prophecy is true. Voilà, si tu veux, t'as le carton, moi j'ai ça. Ouais, j'ai un carton. Voilà, juste avec ça. Allez, maintenant casse-toi. Retourne à ton mythique. Allez, vamos à la playa, c'est la veritas. Bon, maintenant on va reparler de la boîte. La boîte, elle est un peu flashy maintenant. Donc, certes, c'est un peu dégueulasse, mais. Il y avait quand même du chien. Oh, ça souffre comme un coffre-fort. Attention. Comment ça s'appelle ça déjà à PortAventura? Bienvenue dans le monde de Shambhala. Vivez l'expérience Shambhala à PortAventura. Attention. Je sais pas si vous voyez, mais on a un gros truc. Alors, déjà, bravo, vous êtes un pigeon. C'est que là, avec ce petit ticket, comme ça, c'est que ce petit ticket là, putain de merde, ah, il y a tout le monde qui va utiliser mon code, et ce petit ticket là, ça permet de le mettre sur Steam, voilà c'est tout, il y a peut-être la version PS4, Xbox One et Nintendo Switch qui font la même chose, mais voilà, bon, maintenant on va parler un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est parti, alors déjà le plastique est parfait, alors, on va commencer par les petits trucs, parce que quand même les petits trucs c'est quand même le plus drôle. Alors nous avons une fausse cartouche de Sonic Mania, voilà. Donc le... Ah, attends, j'ai spoilé le truc. Donc c'est une cartouche Mega Drive qui ressemble. Donc c'est comme si tu voulais jouer à la Mega Drive. J'en ai pas, mais bon, voilà. Je suis plutôt bravé. Hein. Et donc bah la cartouche est quand même stylée. Hein. À peu près il y a ça qui ressemble comme si on voulait vraiment la mettre. Mais voilà le petit truc qui va tout après pour dire que en vrai c'est pas une Mega Drive. Voilà, voilà le rings de Sonic. Voilà, donc si tu veux, yo, tu sais quoi, je le swag. Mais en tout cas, c'est très joli, hein. On dirait vraiment. Alors, c'est pas vraiment un rings, mais c'est quand même tout mignon et tout, hein, franchement. Mais je vais le ranger, parce que c'est quand même un truc important. Alors, j'ai une carte magnétique. Voilà, de Sonic Mania, c'est bien. Alors, je sais pas si on peut le mettre sur. Alors, on va essayer sur ça. Ça marche pas. Super, une carte magnétique qui sert à rien. Super. Merci Sonic. On va voir si ça le fait sur le frigo. Expérience sociale, j'en reviens. Oh,
Voilà, la carte magnétique sert à rien, mais bon, au moins c'est déjà ça, écoutez. Ah, attendez, je sais pas si vous voyez ici. Alors je crois que je vais faire niquer les yeux au monde, mais il y a marqué Fun is Infinity, qui veut dire le fun est infini. Alors maintenant on va parler de. Alors, on a de la gel, c'est bien. Donc, du coup, on va parler de la figurine. Maintenant, il y a un peu de petites fautes un peu à gauche et à droite, ce que je vois. Surtout que bah, ça a l'air comme si tu avais une vraie mécadrée, avec les frises et tout. C'est assez nostalgique, tout ça. Mais par contre, le Sonic, il ressemble comme ce qu'il y avait sur la boîte. Il est, on va faire voir, il est comme ça. Voilà. Belle ressemblance, hein. Il a envie de te fister. J'ai pris quand même la figurine parce qu'elle est quand même sympa. Je peux la nettoyer, super. Alors, je sais qu'il y a un truc qu'on peut faire. Normalement, il y a un truc qui permet de... Ah, je crois que je me suis fait niquer. Je croyais qu'il n'y a pas de batterie. Super. Je croyais que... Bon, mais arrêtez, putain. Parce que j'ai oublié sur ça. Mais du coup, je croyais que ça faisait quelque chose sur le truc que j'achetais des billes. Putain de conneries. Du coup, on va essayer de... Ah ouais, mais attends, j'ai la flemme. Bon, et puis merde, vous avez qu'à regarder les autres vidéos. Du coup, ce que j'ai compris, c'est que si vous mettez de la batterie... Dans ce petit truc, normalement, en appuyant sur ça et en augmentant un peu le son, le truc s'active et met du son pour dire Sega. Alors normalement, je crois qu'il y a peut-être d'autres sons, mais pour ça, je sais juste que la voix, il fait ça. Nice. Donc voilà, le unboxing est malaisant. La partie la plus intéressante, qui est bien sûr le jeu dans le sac. Ouais, ça marche très bien. Alors, du coup, on va sur Steam. Voilà. Donc maintenant, on achète tout ça et on copie le truc. Alors. Ah, mais fait chier là, c'est un 0 Oh là, fait chier. Bon, c'est. Peut-être que j'ai pas de connexion internet. Voilà, comme ça tout le monde va recopier mon code, je vais le niquer. Merci Connect Vericable. Par contre, s'il m'envoie un message du genre ah, tu t'es fait niquer. Bon, pour ça, je vais raconter un peu ma vie. C'est que ce Steam là, vous voyez. C'est un skin que j'ai installé. Il s'appelle Metro. Voilà, je vous laisse démerder à l'installer. Alors, regardez mes jeux que j'ai installés. Action. Oh là là. Ouais, j'ai deux Sonic. Là, je vais faire mon gameplay Sonic Generation. Sonic Generation. Yeah. Generation, yeah. Alors, j'ai aussi Sonic Adventure 2. Voilà, j'ai ça aussi. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, le chargement là, tu te dépêches. Connexion de merde là. Pour installer un jeu, il peut le faire, mais quand c'est un doigt dans le cul, là, bah normal. Alors voilà, vous êtes niqué, du coup, je vais me faire niquer là. Yeah, 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 d'accord, yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, c'est comme dans le 3. No. Oh. Wow. I'm Sonic! Sonic, the Hedgehog! Trop simple. Test you so! Oh! Oh! Yeah! 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 Gold, yeah! Dab! 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 Oh non! 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 No, no! 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 Oh! Oh! Oh no! Knuckles. Alors évidemment le prix de tout ça quand même en Amérique ça coûte quand même 69$. Alors, ça fait environ 50, 60€ environ pour PC et pour toutes les autres consoles. Pas fini. Et c'est pas fini. Il y a aussi le transport et du coup ça vous fait 40€. Enfin.
plus de 40 euros quand même. Ça fera en total 101 euros en total. Mais je suis très fier alors. Pourquoi vous voulez me dire? Car en France, sur Amazon, ça fait mal un peu aux derches. Parce que déjà, sur Nintendo Switch, ça coûte quand même une bonne 140 euros. Sur la PS4, 150 euros. Et Xbox One, bah, eux, ils sont vite fait en mettant à 90 euros. Mais avant, c'était quand même 150 euros. Donc, vaut mieux acheter aux États-Unis pour quand même gaspiller 100 euros pour cette belle figurine. C'est mon avis, et puis voilà. Maintenant, nous allons comparer les objets par un prix. On commence par la belle figurine. Alors la figurine, même s'il y a des petits défauts dans les petits rebords de la figurine, bah, elle est quand même stylée avec sa Mega Drive et son petit son de Sega, et aussi, bien sûr, Sonic. Donc, s'il fallait que je donne un prix de cette figurine, ce serait 35 euros. C'est légit quand même, parce qu'elle coûte quand même 60 euros le truc, donc bon. Ensuite, on va passer sur la cartouche Mega Drive. Elle est très très jolie, si, avec le petit ring à l'intérieur pour la ranger. Bah, si, en tout cas, c'est très mignon, et en tout cas, j'aurais aimé de la mettre sur la Mega Drive de la figurine, mais bon, je savais que de toute façon, ça allait pas marcher. Donc, je mettrai 5 euros, évidemment, parce que c'est mon choix, voilà. Ensuite, pour la carte magnétique, c'est gratuit. Il faut pas abuser quand même, Sega. Hein. C'est gratuit, c'est offert par la maison, ce truc. Hein. Et ensuite, il y a le jeu. Alors évidemment, le jeu, il coûte 20 euros. Mais franchement, c'est légit. Ça fait en total 60 euros. Donc pour moi, c'est quand même légit, je pense. Après, bien sûr, je dis ces prix-là, mais c'est peut-être faux. Hein. Je dis peut-être des conneries, donc me comprenez pas. Du coup, c'est la première boxing que j'ai ouverte sur ce point-là. Je suis très content de l'avoir ouverte. Avec... la carte magnétique, c'est surtout ça. Du coup, voilà, je suis très content de l'avoir acheté, même si ça fait un peu mal aux fesses de gaspiller 100 euros juste pour un truc pas super beau quand même. Mais bon, il est quand même beau quand je le. Même si de proche je fais. Tu vois, même si de loin ça fait quand même joli, tu vois. Donc, je suis quand même content de ce que je viens d'acheter. Même si ça m'a coûté 120 euros un peu du transport. Du coup voilà, donc je suis content encore une fois, et puis que j'ai le jeu avec sur Steam. Et voilà, tout est dit. Donc du coup, bah, ça fera une décoration de ma chambre ça, et tout ça aussi. Je vais le mettre là-bas, le celui qui... Donc attendez, voilà, on fait du déménagement. Bon voilà ce que ça donne quand tu le mets sur le bureau. J'ai oublié de mettre une fin à ma vidéo. Du coup on va refaire avec le mode Sega. Hein. Rougher than the rest of them, the best of them, tougher than leather. You can call me Knuckles, unlike Sonic, I don't chuckle. I'd rather flex my muscles, I'm hard as nails, it ain't hard to tell. I break them down whether they solid or frail. Unlike the rest, I'm independent since my first breath, first test, feel the right, then the worst left. Born on.